mienne aussi donne ici. Si ta vie donne la banque, la mienne donne aussi. Si ta vie donne à Douala, la mienne aussi donne à Yaoundé. Si ta vie donne la banque, la mienne donne aussi. Banu Taïga Ndiore, le vrai nom Francis Victor Ndiore. Il est dans la cinquantaine aujourd'hui, issu d'une famille de 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Bon, cursus scolaire au niveau primaire par un CEP, secondaire, BEPC probatoire, niveau bac. Et j'arrive dans la musique comme tout bon jeune garçon qui admirait, n'est-ce pas, nos légendes telles que Bois Lotin, Père à son âme, Francis Bébé et Douleur et le virus donc du grand maître Rabarabi m'a donc, n'est-ce pas, emporté. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la Sans Visa où j'ai été repéré dans les concerts scolaires par le grand maître Rabarabi. Les hits qui ont marqué les Camerounais, je prends d'abord ce duo avec Serge Polo, le mari de Tchoui. Et juste après ça, nous sommes séparés et chacun essaie maintenant de mener sa carrière en solitaire. Et je pars, je fais Kabila, Ta vie donne, Déception. Et aujourd'hui, je suis là avec le gobelet de Dieu. Taïga Ndiore, le doyen, moi ça. Idoué d'amour na kamba, na iteme na moto pangande molokele nomba. Le gobelet de Dieu tout simplement parce que vous savez, celui qui m'a même tenu la main, qui m'a frayé ce chemin, n'est-ce pas, dans le monde du showbiz artistique national et international, ce n'est autre que le grand maître. Donc je pense qu'il était temps pour moi d'essayer de faire, n'est-ce pas, quelque chose avec le père, question, n'est-ce pas, de couronner et de célébrer mes 30 ans de carrière. Le gobelet de Dieu, c'est lui, le père petit pays, parce que nous sommes nombreux qui sont passés sous son moule, qui sont abreuvés, n'est-ce pas, dans son gobelet. Et aujourd'hui, vous avez tels que les mathématiques, 00, Saint Moni et K, et bien d'autres encore. En studio, j'ai été soutenu par toute l'équipe des 100 visas, toute génération, hein, tous étaient là, les Monica, les 007, les mathématiques, et sous, n'est-ce pas, la houlette du grand maître qui était à la supervision et aux arrangements. Ce nouveau projet, nous comptons, n'est-ce pas, organiser une tournée nationale dans toutes les 10 régions. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu difficile de temps puisque les mécènes n'accompagnent pratiquement pas les artistes. Mais je pense qu'avec quelques parrains et marins que nous avons, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'essayer de peaufiner cela. Et dès que les choses seront, n'est-ce pas, bouclées, nous allons communiquer les dates dans toutes les différentes chaînes de télévision et radio. Et vous savez, moi je suis le concepteur du concept 12e joueur que je traîne avec moi, voilà bientôt 15 ans. Et à chaque fois que les Lions, n'est-ce pas, sont dans une aventure, j'essaie de les accompagner à ma façon. Donc, j'ai pensé encore cette fois-ci où ils sont qualifiés pour le Mondial Qatar 2022 de mettre, n'est-ce pas, sur le marché un maxi single. Qatar, nous y sommes. Question, n'est-ce pas, de les booster, de les galvaniser. D'où ici, moi, j'essaie, n'est-ce pas, d'attirer l'attention de tous les 25 millions de Camerounais. Car si nous sommes unis tous derrière cette équipe, je pense que nous pouvons faire quelque chose du côté de Qatar. Baby.
bimbe bola pou Kolo kolo si bola wo Nous sommes derrière vous toute la patrie. Je célèbre tous les joueurs qui sont actuellement en stage et même les anciens gloires qui ont, n'est-ce pas, frayé le chemin à ces jeunes. Je les exhorte aujourd'hui, n'est-ce pas, de soutenir ces jeunes lions tels que les Roger Miller, Patrick Mboma, Thomas Kono et bien d'autres d'ailleurs, les William Andem. Il faut les soutenir, les Raymond Kala, parce que je pense qu'ils ont frayé le chemin. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de suivre leurs pas. Donc il est inadmissible que ces anciennes gloires, ces légendes, comme moi je les appelle, ne soient pas derrière, n'est-ce pas, ces jeunes lions pour pouvoir les pousser jusqu'à aller, pourquoi pas, au niveau des demi-finales. Soutenez les lions. Pour les jeunes qui veulent, n'est-ce pas, se lancer dans ce monde pour faire véritablement carrière, hein, pas des aventuriers, j'ai dit bon, il faut d'abord y croire, il faut bosser et il faut persévérer. Vous savez, la facilité, moi j'ai pas eu, n'est-ce pas, à suivre, n'est-ce pas, ce chemin. Moi, je suis toujours sur le chemin, n'est-ce pas, du travail, de la persévérance. Et au bout du compte, ça finit toujours par payer. Aujourd'hui, j'ai 30 ans de carrière avec 15 albums à mon actif, beaucoup de collaborations. Et je pense que je ne peux pas me plaindre. Président Moulongo Oscar, Mola John Jontier, Stéphane Fosso Fortin, c'est 12e jour. Et je vais profiter, n'est-ce pas, de cette vitrine de Hit Parade sur Vision 4 et nulle part ailleurs, de dire véritablement merci déjà à mon parrain Stéphane Fosso, Sa Majesté Edoubem Pondo David, à Sa Majesté Bertrand Fauban, à Sa Majesté Robert Boni Tata et Nossi Charlie Constant pour tous ses efforts, sans oublier le chef terre et sa charmante épouse Fofie Christophe. Au préfet Ernest Ouangoboudou. Ils sont nombreux, les présidents Moulongo Oscar, sans oublier mon père spirituel qui m'a toujours tenu la main. J'ai nommé le grand maître Rabarabi, le gobelet de Dieu. Allô Qatar. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voici le nouveau maillot du 12e joueur. Si tu es 12e joueur, il va te falloir ce maillot personnalisé, comme vous le voyez là. Cyril Guignol également. Il a déjà son maillot. Alors, qu'attendez-vous? Courez! Tandi moutonou dodi, banana tandi moutonou dodi. De nous ben petaï, ne doué bapaï. Wana mangila mo, babide bolapou. Kolo kolo si bolavo, nous sommes derrière vous. Allez les lions, allez-y. Nous sommes derrière vous, tout la partie au bosso. Le mari de Toui est sucré. Maman Toui a gagné, maman a aimé celle-là. J'en me bouais pas, j'en me bouais pas. Yé, amouna, aïe, Ate. Banoutaï Gagnore, faites comme moi. Restez scotchés, connectés sur Hit Parade. C'est nulle part ailleurs, c'est sur Vision 4, yeah. Quand tu penses que tu es en danger, tu n'es pas en danger. Mais lorsque tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là que tu es en danger.